too, out on my own. I walk alone. It seemed like Lonely Street would be my permanent home. But baby, now I'm walking down Happy Street, smiling at everyone that I meet. Ain't it funny what falling in love can do? Now I'm walking down Happy Street, I never thought life could be so sweet. Now I'm walking down Happy Street with you. Since you are mine, each day I find is filled with sunshine and your love is making it shine. But baby, now I'm walking down Happy Street, smiling at everyone that I meet. Ain't it funny what falling in love can do? Now I'm walking down Happy Street, I never thought life could be so sweet. Now I'm walking down Happy Street with you. Everyone that I meet, ain't it funny what falling in love can do? Now I'm walking down Happy Street, I never thought life would be so sweet. Now I'm walking down Happy Street with you. Now I'm walking down Happy Street with you. Bonjour tout le monde, Stéphane Beauchamp. J'espère que vous allez bien. On fait une danse qui s'appelle Happy Street. C'est une chorégraphie de Neville Fitzgerald et aussi de Julie Harris. C'est une danse qui a 32 temps, qu'on fait sur 4 murs de niveau débutant élevé. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas de tag, autrement dit, et il n'y a pas de restart non plus. Alors, on commence avec première partie. On débute pied droit et on fait 2 pas de marche droite. Gauche, on fait le rocking chair, en avant, sur place, en arrière, sur place. 2 autres pas de marche, droite, gauche, et on balance en avant avec le pied droit, en avant, sur place, pied gauche. Alors, si on refait la première partie avec les comptes, 7, 8, 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7, 8. Deuxième partie, on fait la boîte de rumba. On va de côté avec le pied droit, côté ensemble en avant, pied gauche, côté ensemble en arrière. On recule 2 pas, droite, gauche, et on fait le coaster step en arrière, assemblé en avant. Alors, si on combine les 2 premières parties avec les comptes, 7, 8, 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7, 8, 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Troisième partie, pied gauche, on fait un pas en avant et on va pivoter quart de tour à droite. Donc en avant, sur place, pied droit, quart de tour à droite. Et on fait un grapevine, on croise en avant avec pied gauche, côté pied droit, croise en arrière, de côté. Et rendu ça, on croise en avant avec le pied gauche, ce qu'on appelle en anglais « cross rock ». Croisé, sur place et un chassé vers la gauche, côté, ensemble, côté. Alors, si on combine les 3 premières parties avec les comptes, 7, 8, ça fait 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7, 8, 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8. Dernière partie, la quatrième partie, on va faire 2 jazz box, mais le premier jazz box, on va prendre un quart de tour à droite. Donc, on croise en avant, on recule pied gauche, un huitième, côté pied droit, un autre huitième, toujours à droite, et on avance le pied gauche,
est rendu ici. C'est un jazz box, mais sans angle de tour, donc croise en avant, en arrière, côté, en avant, et on recommence la danse sur le deuxième mur. Alors, si on fait la danse, les quatre parties, pour être sûr que tout va bien, 7, 8, 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7, 8, 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on reprend les mêmes pas sur le deuxième mur. Alors, si on fait le deuxième mur ensemble, pied droit, deux pas de marche, 7, 8, ça fait 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7, 8, 1 et 2, 3 et 4, 5, 6 coasters, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8, jazz box, 2, 3, 4, jazz box, 6, 7, 8, et on reprend le mur suivant, comme je disais au départ, pas de transition, pas de tag et pas de restart. Alors, pour le dernier mur, dans le fond, on va commencer le dernier mur face au mur avant. Et c'est une finale, dans le fond, c'est une finale très personnelle. Alors, on débute comme on fait habituellement. 1, 2, rocking chair, 3 et 4 et 5, 6, je vais en avant, 7, et rendu ici de côté. Et je mets les mains de chaque côté. Mais encore une fois, c'est une finale personnelle. Alors, si on refait ma finale, 7, 8, 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7, 8, côté drague. Alors, merci beaucoup et bonne danse! Hey guys, this dance is called Happy Street. It's choreographed by Neville Fitzgerald and also by Julie Harris. It's a 32 count, two wall, high beginner level line dance. So there's no tags and no restarts in this dance. So let's start with section one. We start with the right foot and we do two steps forward. So right, left. Then we do a rocking chair. So forward, recover, back, recover. Once more, two steps forward, right, left. And we rock forward. So forward, recover on the left. So let's do section one with the counts. 7, 8, 1, 2, 3, and 4, and 5, 6, 7, 8. Section two, we start with the right foot and we do a rumba box, side together, forward, side together, back. Then we do two steps back, so right, left, followed by a coaster step, back, together, forward. So let's do the first two sections with the counts. 7, 8, 1, 2, 3, and 4, and 5, 6, 7, 8, 1, and 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8. Section 3, we start with the left and we do a step forward and a quarter right turn pivot. So forward, recover on the right. Then you cross over the right, you go side, behind, side, and then you cross, rock, starting with the left, cross, recover, and a chassé to the left, side, together, side. So let's do the first three sections with the counts. 7, 8, 1, 2, 3, and 4, and 5, 6, 7, 8, 1, and 2. 3 and 4, 5, 6, 7 and 8, 1, 2, 3 and 4 and 5, 6, 7 and 8. Section 4, the last section, we do a jazz box but quarter turn to the right. So you cross over the left, you go back with the left, 1/8 of a turn, side with the right, one more, 1/8 of a turn to the right. And you step forward with the left, followed by one more jazz box without turning. So you cross, back, side, and you go forward.
So let's do the four sections just to be sure everything's all right. 7, 8. 1, 2, 3, and 4, and 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, and 4, and 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then you start wall 2 facing 6 o'clock. So let's do wall 2 together. 7, 8. 1, 2, 3, and 4, and 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, and 4, and 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And you start wall 3, the same steps, okay? So for the ending, the last wall, you will start facing 12 o'clock and you do section 1. So 1, 2, rocking chair, 3 and 4 and 5, 6, 7, and then I step forward. I step on the side, sorry, on the side with the left, and I put my arms each side. But it's a very personal way to end it. So let's do my ending, section 1, my ending, 7, 8, 1, 2, 3, and 4, and 5, 6, 7, 8. So I hope you enjoyed learning this dance with me. So take care and stay safe.